Il y a eu le témoignage de Nesrina sur Catoglade et il y a des gens qui ont dit que c'était trop simple comme conversion et que du coup, parce qu'elle avait eu un songe, et que c'était trop simple comme conversion. Mais dans la Bible, il y a marqué « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Qu'est-ce qu'une conversion trop simple? Honnêtement, ça n'existe pas une conversion trop simple. C'est un concept utopique d'avoir de penser qu'on va avoir une vision, qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire pour avoir une conversion. La conversion, c'est une rencontre avec le Christ. C'est pas un truc, c'est pas une météorite qui s'écrase à côté de nous avec un message à l'intérieur. Pas du tout. D'ailleurs, le Seigneur a adressé à Sainte Faustine cette petite prière qu'il a conseillé de réciter pour tous nos proches pécheurs. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Il a assuré à Sainte Faustine que si cette prière était récitée avec un cœur contrit et avec foi, eh bien elle serait exaucée.